démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous dire un grand bonjour en cette journée du 25 septembre 2017 et nous menons cette conversation à partir de Toronto au Canada. Bon, nous venons d'apprendre la reprise des bombardements sur le département du Pôle. On nous parle des hélicoptères, des combats, on nous parle même des MiG sur le département du Pôle. Et en plus, on nous parle d'un certain poêlé qu'on avait donné une certaine capteur pour pouvoir essayer d'identifier dans quelle forêt se trouvait le révérend Patient Toumi et ces Congolais-là qui résistent contre l'oppression d'un criminel, le dictateur Sassou. Ben, rapidement, nous allons d'abord rentrer dans cette affaire des géolocalisation. Je crois que nous avions déjà expliqué là-dessus et nous avions énormément attiré l'attention du révérend Patient Toumi sur cette affaire de géolocalisation. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, nous avions dit que ce n'était pas nécessaire de dialoguer avec Sassou Nguesso parce que la main que Isidore Mvouba a tendue à Toumi, nous avions dit que c'était la main du diable, c'était un piège. On l'a dit dans plusieurs de nos vidéos. Il faut suivre ce que nous disons parce que ce que nous disons, ça reflète la réalité. Nous sommes dans un film western Texas. C'est vraiment la réalité, ça reflète la réalité, ce que nous disons. Et nos sources d'information sont des sources sûres. Quand on vous dit, chers compatriotes, faites attention à ce que nous vous disons. C'est vraiment la réalité. On vous l'avait dit. N'allez pas sur ce chemin de vouloir dialoguer. C'était un grand piège tendu par Denis Sassou Nguesso. Là, les bombardements ont repris. Comment voulez-vous aller dialoguer avec un homme qui continue à bombarder les populations? Vous comprenez? Donc, le révérend Patient Toumi et tous ces gens, ces collaborateurs qui sont partout en Occident, ces collaborateurs qui, autrefois, on avait même dit au Patient Toumi que faites attention, ce sont vos collaborateurs-là qui vous feront tuer. Les collaborateurs qui sont en Occident, qui sont en train de crier au dialogue-là, au révérend Patient Toumi, faites excessivement attention. On l'avait dit plusieurs fois, nous avions lancé des alertes. Mais je crois que les gens ne semblent pas nous écouter, ils semblent nous ignorer. Mais c'est bien. Bon, voilà là, les résultats. Si seulement si le révérend Patient Toumi se trouve à cet endroit, ça sera difficile pour lui de s'en sortir vivant. Parce que l'objectif de Sassou, c'est de venir exhiber le trophée, un cadavre, comme il a autrefois fait par Pierre Anga, par Diawara, vous voyez. C'est cela qu'il veut vouloir faire. Et quand il va donc présenter le cadavre, il va dire, bon, allez, c'est fini. Le Congo y a maintenant la paix, il va vous parler d'un semblant de dialogue. Voilà pourquoi vous avez vu, on a dépêché pas mal de gens. Bon, nous n'allons pas retourner sur ces polémiques, mais il s'agit ici de pouvoir expliquer aux Congolais que nous sommes des lanceurs d'alerte. Quand nous remarquons quelque chose qui n'est pas normal, on le dit de vive voix pour pousser les Congolais à comprendre et d'aller fignoler pour chercher à comprendre ce qui se passe dans la chose. Chers amis, Sassou Nguesso a fait plusieurs rencontres. Nous avions vu le parti au pouvoir au Burundi venir au Congo. Nous avions vu Sassou Nguesso faire deux voyages sur l'Angola. Mais nous disons, et d'après les sources d'information, ce matin nous venons de contacter pas mal de gens au niveau du Congo, même de Olombo même. Les gens nous ont dit qu'ils n'ont vu aucun MiG décoller à partir de l'aéroport d'Olombo. À Brazzaville non plus, ni à Pointe-Noire, ni à Dolisi. Nous nous posons la question, d'où est donc parti ces MiG? Est-ce que c'est des MiG qui sont partis du Burundi? Est-ce que c'est les Burundiens? Est-ce que les Burundais ont des MiG chez eux? Est-ce que ce sont des MiG qui sont partis de l'Angola? Est-ce que l'Angola a encore repris de jouer le jeu de la déstabilisation du Congo? Ça, c'est des questions que nous nous posons. Voilà pourquoi nous demandons toutes les équipes de la diaspora congolaise de se lancer dans ces investigations pour chercher à comprendre ces MiG-là sont partis d'où? Est-ce que c'est parti d'Angola? Est-ce que c'est parti du Tchad? Est-ce que c'est parti de la République démocratique du Congo? Parce qu'entre-temps, on a vu le président de la République démocratique du Congo à Brazzaville. Donc Sassou a fait ce genre de rencontre. Sassou a rencontré Kabila à Brazzaville. Sassou a fait venir le parti au pouvoir au Burundi. Sassou est parti en Angola par deux fois. Est-ce que ces MiG-là sont partis de la République démocratique du Congo pour venir aider Sassou dans la déstabilisation du Congo? Est-ce que ces MiG-là sont partis de l'Angola? Est-ce que ces MiG-là sont partis du Burundi, même du Tchad, ou quelque part? Ou ce sont des MiG qui sont partis de la République centrafricaine, des MiG appartenant aux forces françaises?
Nous ne savons pas, chers compatriotes. Voilà pourquoi nous lançons ces alertes-là. Nous devons énormément rentrer dans ces investigations. Donc, vous comprenez ici, chers compatriotes, que vous qui voulez lancer dans le chemin de dialogue, que l'homme n'est pas prêt à dialoguer. Tout ce qui est plus important pour lui, c'est qu'il s'agit de la force, excessivement la force. Hein, faut carrément tuer des gens, assassiner Ntoumi pour essayer de dire que le pays est pacifié. Vous voyez? Maintenant, nous voulons rapidement rentrer dans cette affaire de Mirasa. Nous ne doutons pas, on l'a dit, nous ne doutons pas de l'expérience, de la compétence, de la conviction que M. Mirasa a dans ce combat. Mais nous, ce que nous avions dénoncé, ce sont les intentions derrière les zones d'ombre, vous voyez, parce qu'il y a eu tellement des zones d'ombre. Nous nous sommes dit, les conditions d'abord de l'obtention de son passeport, les conditions de son voyage, parce qu'on nous apprend qu'il part de Brazzaville, vous voyez. Et puis, ce qui est encore plus grave, c'est cette fameuse... ce fameux dialogue dont tout le monde est en train de vouloir nous faire miroiter, vous voyez. Et aussi, dans la même foulée, nous avions suivi M. Wabari sur la radio de Chicago, Radio Congo, au Live 11 de Chicago. Voilà, il continue de parler d'une alliance, et que la diaspora parle d'une même voix. Mais M. Wabari et tous les autres opposants du Congo, mais les Congolais de la diaspora ont toujours parlé d'une seule voix. C'est pour une première fois qu'on voit des Congolais rassemblés autour d'un seul projet qui est le départ sans condition de Sassou, donc quelles que soient les possibilités, quelles que soient les circonstances. Tous nous sommes bien d'accord là-dessus, mais non, nous ne cherchons pas de quelle voie on veut vouloir encore parler. Et si vous voulez mettre des alliances, ça existe déjà. Mettre Senda, c'est pas Senga ou Senda, excusez-moi si je prononce mal son nom, là vous avez déjà dit dans les dossiers des biens mal acquis comment il y a une collaboration qui se fait entre les Congolais de la diaspora, notamment du Canada, Amérique du Nord, Afrique, l'Europe et ceux même du Congo. On vous parle de cette coopération-là. Tous les Congolais parlent d'une même voix, M. Wabari, mais nous disons de quelle voix vous cherchez encore. La voix, c'est ne pas dialoguer avec Sassou Nguesso, parce que nous avons dit qu'on ne peut pas continuer à dialoguer avec un boulanger, avec un boulanger qui met en œuvre ses distributeurs et vendeurs de pain et qui vous vendent le pain avec le même levure, un pain avec beaucoup plus de levure. Vous voyez, M. Wabari, nous ne doutons rien de votre conviction. Nous ne doutons pas de la conviction de M. Mafimba, nous ne doutons ni la conviction de tous ceux qui étaient à cette rencontre. Mais ce que nous dénonçons, c'est ce fameux dialogue que vous voulez organiser. Nous demandons s'il y a un dialogue. Il faut que ça se passe à l'image de la conférence nationale. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une deuxième conférence nationale pour pouvoir éponger tout le problème que le Congo a. C'est cela que nous demandons. Vous voyez, nous ne demandons pas de dialogue à la manière de Sibiti, à la manière de Diata, à la manière d'Evo, à la manière de Dolizi, à la manière de Brazzaville, à la manière de Wesso, vous voyez, parce que tous ces dialogues-là ont échoué. Nous ne pouvons pas continuer à tourner dans nos cercles vicieux. Vous voyez, M. Wabari. Donc, encore, nous voulons réitérer, l'objectif du dialogue n'est pas le principe de Sassou. Sassou, lui, il veut assassiner, il veut continuer à tuer. Nous avons vu, là, il a repris avec les moments de Manipolo, vous voyez. Bon, maintenant, nous voulons rapidement répondre à un certain nombre de Congolais qui nous parlent. Tu nous parles d'une diaspora radicale, d'une diaspora modérée. Vous voyez, cette expression de diaspora radicale a été déjà utilisée par le Parti congolais du travail, par Denis Sassou Nguesso lui-même, en accusant l'opposition de radicale, l'opposition qui est dans la bonne voie, tenue par M. Boao et Mme Ounaré. Vous voyez. Et donc, et ces expressions, nous commençons de le voir avec cette affaire de Mirasa. Mais c'est bien normal que les Congolais se posent des questions. Parce que tous ces gens-là nous ont quelque part... Avant, ils nous ont trahis, c'est des gens qui changent de direction, c'est des gens qui sont des véritables girouettes. Donc c'est normal que les Congolais se posent ces questions, ces Congolais veulent des éclaircissements, ces Congolais veulent savoir la vérité, ces Congolais ne veulent pas qu'on puisse encore les poignarder au dos. C'est bien normal, vous voyez. Bon, maintenant, les Congolais qui viennent afficher cette diaspora... qui parle de la diaspora, que vous n'avez aucune base, vous n'avez aucune audience, vous n'avez aucune expérience. Mais écoutez, l'histoire du Congo nous a démontré que ces gens-là, ceux-là qui ont l'expérience, ceux-là qui ont l'audience, ceux-là qui ont l'expérience, ont échoué sur toute l'année. Tout ce qu'ils ont réussi, c'est de maintenir Sassou au pouvoir. Vous voyez, maintenant là, les rôles doivent changer. C'est-à-dire la nouvelle jeunesse qui s'est levée, qui a une nouvelle vision, qui veulent vraiment briser ce cercle vicieux où vous avez les gourous girouettes, ce que nous appelons les gourous girouettes, c'est-à-dire
des gourous de la politique qui se disent que rien ne peut se faire au Congo sans eux, et ces gourous qui ne suivent que la direction du billet d'argent. Dès qu'on s'assoit dans de l'argent, ils changent de direction. Non, chers compatriotes, nous ne pouvons plus continuer comme cela. Donc chaque chose, il y a toujours une première fois. Les ingénieurs, quand tu es embauché ingénieur, tu commences toujours à faire un travail, tu pars dans les tenues et tu deviens bon dans le travail. Tu apprends aussi selon les erreurs, selon les expériences des uns et des autres. C'est cela, vous voyez. Tu es un médecin, tu passes par une formation de training et aujourd'hui, tu peux bien opérer, tu deviens de plus en plus bon. Tu es un enseignant, on te montre des stratégies, ainsi de suite. Voilà pourquoi il y a le training qui est en place, vous voyez. Donc, chers compatriotes, démocrates du monde, nous ne pouvons plus continuer à raisonner de ce chemin. Vous dites que vous n'avez pas de base, vous n'avez pas de référence, vous n'avez pas l'audience. Cela ne reflète pas ce combat, chers compatriotes. L'objectif, il est clair, c'est détruire Sassou. On l'a toujours dit, la solution du Congo, c'est une solution militaire. Ce n'est pas une solution du dialogue. Nous avons vu comment l'homme est en train de chercher de moi. Là, le Fonds monétaire international partira demain mardi à Brazzaville. Mais ne soyez pas surpris, chers compatriotes. On vous a toujours dit, ne soyez pas surpris quand on lui donne ce prêt-là. Ne soyez pas surpris. Voilà pourquoi, nous-mêmes, si nous sommes en train de mener cette bataille, le souhait des Congolais qu'on ne donne pas le prêt à Denis Sassou Nguesso, mais ne soyez pas surpris qu'on lui donne le prêt. Donc, si on lui donne le prêt, soyez préparés moralement. Hein? Et ça, ça ne doit pas vous décevoir. Donc, l'unique solution, c'est une solution militaire. Vous voyez, je vais prendre un exemple simple. Vous allez m'excuser de prendre l'exemple de Hitler parce que nous connaissons les atrocités, les crimes que ce homme a commis. Mais ce monsieur, dans ses convictions, il n'était jamais un officier supérieur. Vous voyez, il n'était jamais un officier supérieur. Vous voyez, il était juste un fantassin. Vous voyez, il était un sous-officier. Mais il a mené des opérations, des batailles à faire des choses compliquées. Vous voyez, des choses qu'aujourd'hui, tous nous appelons crimes contre l'humanité. Voilà pourquoi nous voulons attirer l'attention de tous les militaires congolais. Que tu sois caporal, sergent, adjudant, première classe, lieutenant ou combattant première classe, tu es une valeur pour le Congo. Si jamais tu arrives à déstabiliser Sassou, tu seras ce héros-là. Ce héros-là où tout le Congo parlera de toi. Tout le Congo parlera de ton nom. Tout le Congo parlera de toi comme l'homme qui a sauvé, qui a sauvé toute une nation. Tu ne vas pas seulement sauver le Congo, mais tu vas sauver la région de l'Afrique centrale. Tu vas sauver l'Afrique d'une manière générale. Vous voyez, ces compatriotes. Voilà pourquoi nous disons à ces militaires congolais, à tous les jeunes congolais, ceux-là qui arriveront à déstabiliser Sassou, qui arriveront à faire tomber ce type-là, même par quels moyens, chers compatriotes, ceux-là iront dans les annales du Congo, ils seront dans l'histoire. Leurs familles seront récompensées à jamais. Ça, c'est clair. Vous voyez, chers compatriotes, voilà un peu le grand message que nous tenons à dire aujourd'hui. Et nous tenons à dire, chers compatriotes, vous devez blinder de morale. Le retour de l'ascenseur, comme ce que dit M. Wabari, bon voilà, ils veulent accuser les Congolais qui viennent donner alerte comme le retour de l'ascenseur, c'est-à-dire des gens qui veulent déstabiliser l'opposition. Non, M. Wabari, attention, faites attention, parce que c'est vous qui avez commencé de jouer ces petits jeux. Quand vous commencez à jouer ce petit jeu dans des petits couloirs, ça ne fait pas l'affaire des Congolais. Les jeunes Congolais sont aujourd'hui suffisamment avertis. Personne n'a envie de déstabiliser qui que ce soit, mais dès que vous essayez de vous dérouter dans les principes et les objectifs, en ce moment-là, le peuple est obligé de vous les rappeler. C'est ce qui se passe pour nous, la diaspora. Quand nous voyons que quelque chose ne va pas, vous voyez, l'expérience nous a démontré des gens comme Guy Parfait Kolla qu'on a fait confiance auparavant, des gens comme les Satima Biala qu'on a fait confiance auparavant, ils ont changé de direction. Entre-temps, M. Clément Mirasa a eu déjà à sauver Sassou Nguesso, vous voyez, dont cette alliance, l'URDP, c'était, vous voyez. Donc, c'est cela qui pousse les Congolais à réfléchir et à se tenir au garde de ouvrir grandement les yeux. Vous voyez, on ne peut pas venir nous dire que bon, on veut vouloir sauver Sassou Nguesso au nom de la nation parce qu'on veut recevoir le prêt. Non, il faut pouvoir condamner tous ceux qui ont commis des crimes, tous ceux qui ont volé de l'argent, tous ceux qui ont déstabilisé le Congo. La place de Sassou, c'est pas là. Sassou n'a jamais gagné l'élection. Et en plus, nous voulons vous dire une chose. Qu'est-ce qui se cacherait derrière le plan de Denis Sassou Nguesso avec les Clément Mirasa et tout ce monde? Nous pensons que puisque Mirasa n'a jamais présenté la candidature à l'élection présidentielle. Mirasa a soutenu la candidature de Jean-Marie Michel Mokoko. Et là, on nous apprend même que le général Mokoko n'est pas au courant de son voyage. Alors là, ça pose des questions. Peuple congolais, nous devons ouvrir grandement les yeux pour nos leaders qui sont dans les prisons. Donc Mokoko, Poné Makaya, Libongo Ngoka, Mpika, Okombi Salissa et tout ce monde-là. Peut-être que dans leur plan, puisqu'ils ont commencé à attaquer Ntoumi, ça veut seulement dire qu'ils vont chercher donc à tuer tous ces leaders qui sont au pouvoir dans les prisons.
voyez ces compatriotes. Donc nous devons grandement ouvrir les yeux sur cette affaire. Vous voyez, l'objectif de ça, on ne sait pas ce qui s'est dit avec Le Drian pendant les trucs de l'ONU. On ne sait pas ce qui s'est dit avec Macron. On ne sait pas ce qui s'est dit avec les services secrets français. Est-ce que c'est pour déstabiliser le Congo? Vous voyez, Nsourou a été assassiné en prison. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de procès. Tout le monde est libre. Vous voyez ces compatriotes. Donc, quand ils vont aussi arriver à assassiner Moukoko, ils vont arriver à assassiner Paulin Makaya, ils vont arriver à assassiner Libongo Ngoka, Colonel Mpika et tout ce monde, les leaders d'opinion sont dans les politiques, et après quelques temps, ça va se fasser. Vous voyez, chers compatriotes, nous devons éviter d'arriver à ça. Voilà pourquoi nous disons, vous, vos jeux que vous voulez jouer, on n'en a pas marre, on n'en a pas besoin. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, ouvrez les yeux. Que Dieu nous bénisse tous, et puis nous pensons que le Congo va continuer à avancer, que nous allons gagner ce combat. Mais, quel que soit le résultat que le Fonds monétaire international dira, à partir de demain, nous, ça ne nous décourage pas. Nous devons obtenir ça. Par tous les moyens, il faut détruire cet homme parce qu'il n'est pas bon pour le Congo ni pour l'Afrique. Voilà un peu le grand message que nous tenons à dire. Nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Et Dieu bénisse les femmes, Dieu bénisse tout le monde. Et merci. Au revoir.